Du côté de l'intendance de Corbeau, l'air n'est pas au repos. L'équipe de Lubumbashi, habituée à jouer sur du gazon synthétique, a un semblant des pelouses dans d'autres stades du pays. Il fallait tout changer à Osaka, où le gazon est naturel et dense. Pendant cette période où les pluies sont quotidiennes au Japon, tous les joueurs doivent se procurer de bonnes chaussures avec crampons adaptés au gazon naturel. Chose faite, Patrice Carteron ne pardonnera pas aux joueurs qui oseront glisser dimanche. Dans la rubrique maillot, des nouvelles tenues ont été commandées, sans la moindre étoile, avec un logo, des numéros et des noms des joueurs aux exigences de la FIFA. L'équipe du chairman Moïse Katumbi, qui jouera ce dimanche en bleu et blanc, a reçu la visite des inspecteurs de la FIFA. Un contrôle minutieux sur chaque maillot, gants, chaînes, culottes et bas sont passés au peigne fin. L'intendant Richard Mbembe, communément appelé Saddam, guidé par Frédéric Kitenge Kinkomba, directeur sportif des Corbeaux, et Denis Kabongo, secrétaire sportif, s'en est sorti sans faute après le passage des inspecteurs de la FIFA.